Macron, c'est juste une des dernières figures les plus dégénérées de ce nouveau libéralisme autoritaire. Barbara Stiegler est une philosophe qui collabore principalement avec le milieu médical. En janvier 2021, elle a notamment rédigé, en collaboration avec une quinzaine de professionnels de la santé, le livre « De la démocratie en pandémie », qui pointe du doigt la gestion politique catastrophique de la crise Covid. Dans cette interview, elle se livre à une petite psychanalyse sauvage de Macron, et même moi, j'ai été choqué, parce qu'elle va loin quand même. On l'écoute. Macron, c'est juste une des dernières figures les plus dégénérées de ce nouveau libéralisme autoritaire, comme Ursula von der Leyen, qui est une figure totalement dégénérée, totalement corrompue. De ce nouveau libéralisme autoritaire, c'est d'ailleurs sa grande copine. Moi, je me livre aussi sur Twitter, je m'amuse à essayer de livrer un diagnostic psychiatrique sauvage, ce qui est impossible, puisque pour diagnostiquer quelqu'un, il faut quand même passer beaucoup de temps avec lui dans un cabinet. Mais en gros, bon, tout le monde s'accorde pour dire qu'il a des problèmes de psychopathie. Psychopathe, ça veut dire des difficultés à éprouver ce que ressentent les autres, hein, donc voilà, des difficultés sociales. C'est des gens qui sont absolument centrés sur eux-mêmes et qui n'ont pas d'empathie, hein, pour les autres. Les gens qui ne sont rien. Donc visiblement, il a des problèmes psychologiques. On ne sait pas à quoi il est shooté, mais il est clairement shooté à quelque chose. Il dort très peu. Ça, c'est tous les politiques. Mais bon, bref, il a une manière. Il tweete la nuit. Voilà, c'est un type qui a des problèmes de comportement, d'hygiène. On voit qu'il est détraqué, ouais. Et ça ne sied pas effectivement à la fonction présidentielle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Macron, qui m'intéresse pas tant que ça. Je le subis comme vous et comme vous. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est la Macronie. Et la Macronie, c'est comme la Sarkozy. La Macronie, c'est une espèce de machin qui s'étend partout, y compris auprès de nos plus proches, et y compris parfois qui déteint sur nous. C'est quelque chose, c'est une manière de se comporter, mimétique, qui fait que vous pouvez avoir des collègues, par exemple, qui se mettent à avoir des comportements qui ressemblent exactement à ça. Donc, par exemple, des comportements de harcèlement, d'une extrême cruauté, etc. Ouais, c'est pas faux.